so good. And I know it's so worth it, 'cause with you it's so good. It's so good. Écoutez, je suis extrêmement heureux de vous partager. Là, ça fait 6 mois où on travaille dans l'ombre, un travail de fourmi, autour du disque trancheur. Donc c'est quelque chose qui est assez attendu d'un point de vue agronomique, parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique depuis 3-4 ans, on voit beaucoup de fermes qui basculent vers le semoir à dents, parce qu'en été, on voit que les semoirs sont très performants, et en automne, on voit également la même chose. Pour autant, on sait qu'on a certaines limites, c'est-à-dire que dès qu'on commence à semer dans des biomasses puissantes, le semoir à dents a des certaines limites parce qu'il commence à faire râteau. Voilà, à 2-3 tonnes de matière sèche, on arrive à passer. Dès qu'on passe les 3-4 tonnes, ça devient compliqué. Donc là, tout le travail que l'on a réalisé, c'est un travail d'équipe au final. C'est-à-dire qu'on a mis autour de la table la société Metcalf qui nous a fait les développements d'un disque trancheur. On a construit un cahier des charges pour expliquer précisément nous ce qu'on voulait d'un point de vue agronomique. Et après, on a eu plusieurs allers-retours, du prototypage, des envois de disques, des tests unitaires, des renvois au bureau d'études, jusqu'à la version finale que l'on a validée ensemble. Et après, on a lancé un prototype en termes de machine. C'est-à-dire que là, on a équipé un Sprinter 6 double cuve avec l'intégralité des disques, donc avec 24 disques et 24 dents. Donc c'est la machine qu'il y a derrière moi et que je vais vous expliquer de façon un peu plus détaillée. Alors voilà, là je voulais vous expliquer le disque que l'on a développé et les points clés du disque. Donc là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis, on a développé une mâchoire. Donc cette mâchoire-là, elle est sur élastomère. Donc là, c'est ces 4 boussins qui permettent d'apporter le maximum de compression et de flexibilité également. Donc c'est eux qui font sécurité. Voilà. Après, le disque, le bras du disque est composé de 2 morceaux. Donc, il y a le bras supérieur, là où on voit l'ensemble des trous de réglage. Je vais vous montrer la vue arrière également. Et ensuite, on a le bras inférieur, là également, avec un ensemble de lumière. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce disque-là, c'est qu'on a 2 types de réglages possibles. C'est qu'on a des réglages où on va pouvoir baisser et mettre le disque plus profondément, voilà, en jouant sur ces 2 vis-là, pour les remonter ou les rehausser. Et après, on a prévu également, et ça moi j'y tenais beaucoup, c'est de pouvoir basculer le disque légèrement vers l'avant ou légèrement vers l'arrière, via les 5 positions, pour pouvoir se créer plus ou moins de dégagement en fonction des conditions et pouvoir avoir toutes les configurations possibles. Donc ça, c'est une première version de disque qu'on a réalisée. Voilà, donc là, c'est sur le Sprinter 6, on les a montés comme cela. Là, on a une nouvelle adaptation, c'est qu'on a agrandi la lumière ici pour avoir le plus de possibilités possibles en termes de réglage. Et ensuite, on essaye de diminuer les coûts de production au maximum. Donc on est en train de développer un second disque qui sera peut-être un peu plus simple, mais avec moins de facilité et d'options de réglage. Où on va faire un bras unique, sans réglage là, avant, arrière, et par contre juste un réglage là, de 3 à 5 positions, pour pouvoir mettre le disque plus ou moins profondément, voilà, ce qui nous permettrait de baisser le coût de production autour de 15 à 20%, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Et donc derrière ce disque là, vient passer la dent. Donc l'idée, et ce qui est très important, c'est que ce disque tranche la matière, et la dent passe derrière. C'est pour ça que le disque là, on l'a prévu, crénelé, comme ça après on peut également mettre disque, mais le retour d'expérience d'utilisateur qu'on a, des gens qui font du semi direct, c'est qu'il faut que le disque soit crénelé, voilà. Donc là on le voit dessus, il est extrêmement fin, mais le fait que ça soit crénelé, ça permet de dégager la matière du sillon,
à la différence d'un disque lisse. Voilà. Ça fait un ensemble comme ça. Au-delà du développement du disque, on est amené à retravailler l'ensemble du châssis de la machine. Je m'explique, aujourd'hui, la majorité des sprinters et des CO sont sur 4 poutres. Donc là, il y a la première poutre qui est ici, la deuxième, la troisième et la quatrième. La plupart des machines sont sur 4 poutres. Ça veut dire que la première poutre, la deuxième et la troisième, on a des dents. Et sur la quatrième, on a une rangée de herse. Donc nous, en semi-direct, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les herses à l'arrière. Et après, tout le travail, c'est un travail de calepinage, où on a repositionné disque et dents sur le bâti pour rendre l'intégralité de la machine cohérente et permettre à chaque dent d'avoir un disque qui le précède. Donc ça fait qu'on a été amené à développer des extensions sur le bâti. Donc à ressouder des modules, donc là on les voit quasiment plus. Mais vous voyez, typiquement, ça c'est un module qui a été ressoudé. Donc là c'est un carré de 100 qu'on est venu ressouder. Bon, après on l'a repeint, donc on voit quasiment plus le travail. Parce qu'avant, si on positionnait le disque à cet endroit-là, on n'arrivait pas à fermer le traceur. Ouais, donc ça c'est un exemple. Et en fait on a 7 endroits comme cela. Je vais vous en montrer un autre. Là un autre endroit où on est venu retravailler. Parce que vous voyez, là on avait cette dent-là. Donc, qui est derrière là, qui est difficilement positionnable parce qu'elle est pile sur un entraxe, et on est venu développer un aile là pour venir mettre la dent, fixer la dent derrière. Voilà. Hey, bonjour Louis, est-ce que tu peux juste te présenter? Donc, bonjour Louis Vanache, donc je suis responsable chez Kiwa Agronomie du centre de rénovation. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est partie mécanique, électronique. Et chaudronnerie, donc qui est la base de la soudure, et puis un petit peu de brasage, choses comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement sur le Sprinter 6, là, en termes de bâti, la refonte qu'on a effectuée? Donc, on a effectué sur le Sprinter 6 pour venir placer nos disques. On a commencé par procéder par le démontage de toutes nos dents. Derrière ça, on a fabriqué des carrés. On a acheté de la ferraille, donc des carrés de 100 par 100 épais de 5, avec un plat de 100. Où on est revenu pour venir fermer notre carré de sang. Dessus, je suis venu le chanfreiner en V. J'ai préparé toutes mes pièces pour venir les souder pour faire quelque chose de solide. Et j'ai fait 2 passes de soudure sur le bâti. Voilà, du coup, on va voir en détail ensemble sur le bâti voilà. Ce qu'on a fait précisément. Alors là, je tenais à vous montrer le plan de calepinage vu du dessous. En fait, ce qu'on voit là, c'est qu'on a, sur la première rangée, on a 8 disques, donc espacés tous les 50 cm. Ensuite, sur la deuxième rangée, là, on les voit alignés, on a 8 dents et 7 disques. Ensuite, sur la troisième rangée, là, on a 8 disques, 8 dents. Et sur notre dernière rangée, sur la quatrième, là, on a 9 dents alignées. Enfin, alignées. Elles ne sont pas alignées parce que voilà, on sent en quinconce. On est venu créer des extensions à certains endroits pour pouvoir positionner correctement les dents. Ouais, du coup, Louis, est-ce que tu peux juste nous expliquer là, en fait, on s'est vite rendu compte quand on faisait les modifications comme ça, il y avait beaucoup de problématiques de poids et d'ergonomie qui se posaient. Et du coup, on a fait des petits développements de chariots pour simplifier la donne. Est-ce que tu peux juste expliquer vu le poids des dents grippe, on est venu fabriquer ce petit chariot. Donc j'ai pris des carrés de 40 par 40. Je suis venu faire un carré, j'ai mis 4 roulettes. On a acheté un cri de 5 tonnes.
ou si je suis venu faire un support carré pour venir poser la dent grip. Et comme ça, on a l'avantage de pouvoir venir lever au cri. C'est plus simple et puis et c'est moins lourd. Surtout, c'est sur roulette. Du coup, on arrive à se passer les dents directement sous le. Sous le bâti, aller passer les aimants, et ce qui simplifie. Très simple à fabriquer et puis ouais, très coûteux. Alors là, on voulait vous expliquer en fait un CO3. En fait, un CO3, il est conçu sur trois poutres de base. Donc il y a la première poutre, deuxième poutre qui est là, troisième poutre. L'idée derrière tout cela, ce qu'on a souhaité faire, c'est rajouter une quatrième poutre là. Donc la quatrième poutre que l'on voit. Elle n'était pas existante, on est venu sabler et repeindre derrière pour venir greffer les disques. Du coup, Louis, explique-nous, toi, la modif que tu as opérée là, comment tu t'y es pris et ce que tu as fait. Donc, j'ai commencé par couper mon carré de sang, je suis venu l'installer, je l'ai pointé, je l'ai positionné, et après, je suis venu pointer tous mes morceaux de 50 par 100, tout positionné, et après, je suis venu tout souder, tout simplement. D'accord. Tout a été chanfreiné. Pour que ça soit le plus costaud, avec ici en faisant deux passes de soudure. Voilà. Et toi, en combien de temps tu as réussi à faire cette modification? En 5 heures de temps, quoi, le temps de couper la ferraille. D'accord. Très simple. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit très clairement, c'est sur les CO3, la modification est extrêmement rapide, elle n'est pas extrêmement complexe à exécuter. Et ce qu'on a vu également ensemble, c'est ce qu'on a fait sur les CO3, on peut le répliquer sur les CO4. Bien sûr. Et donc après, ce qu'on voit, c'est que les dents, enfin les disques vont être positionnés pile en face des dents, donc ce qui va être très à l'aise. Et montre juste peut-être là le support de... Là, c'est le support de disque, donc voilà. Au fond magique, le disque est juste en dessous de cela. Et on va juste venir le greffer avec le boulin en élastomère. Comme ceci, voilà. Pile en face que des dents. Donc ça veut dire que là, on peut poser en... En une heure de temps, là, les disques ont posé. Voilà. Et moi, je voulais vous faire un bilan sur les semis, enfin les essais de semis qu'on a réalisés. Qu'est-ce qu'on constate? Très clairement, premier point, c'est que le disque tranche. Voilà, donc il joue bien son rôle pleinement. Et on a suffisamment de robustesse pour trancher. Ce que l'on voit, c'est qu'en termes de réglage, on est obligé de positionner le disque à 4-5 cm pour vraiment trancher proprement la matière. Voilà. Quand on est à 2 cm, 1 cm, ça ne suffit pas. Alors là, c'est clair que les sols sont très durs, là, parce qu'on a très peu de pluviométrie. Donc on a besoin d'avoir beaucoup de perforation et de rentrer pour pouvoir trancher. Et la dent derrière passe. Voilà, passe. On a des petits amas qui se mettent, mais qui n'empêchent pas et qui ne génèrent pas de bourrage. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plein de petits points de conception au niveau des dents, avec des colliers à retourner, à mettre au bon endroit, des boulons à raccourcir à certains endroits également pour faciliter la fluidité et le passage de la biomasse entre les disques et les dents. Voilà, donc ça c'est un vrai point, on a quelques petits ajustements à faire, mais c'est des points qui sont très importants, et ça on s'en rend compte très clairement. Voilà. On est dans des biomasses, hein, des févroles qui font 3 tonnes et demie, voilà. Donc moi je suis très curieux de voir ce semoir-là à l'œuvre dans des couverts beaucoup plus conséquents, des biomasses qui montent à 6-7 tonnes, pour pouvoir si on arrive à passer dans les mêmes conditions. Très intéressant, je vais vous mettre en vidéo, vous allez voir, mais on a eu des endroits des févroles qui étaient assez hautes, qui sont à 1m20, 1m30, et là, quand on est passé avec le semoir, bah, on voit vraiment une grande fluidité de semoir, il passe, et on voit, on retrouve un semis que l'on a avec des semoirs à disque classiques, et pourtant on a la dent derrière qui offre quand même... une super implantation derrière. Donc c'est très encourageant, mais ça reste tout cela à confirmer. Donc il faut être très prudent en tout cas sur ce que l'on fait. Voilà, c'est ce qu'on mène depuis le démarrage. Mais il faut que ces résultats-là que l'on voit, on a encore des améliorations à porter pour arriver à l'optimum. Et après qu'on teste et qu'on éprouve la machine sur des surfaces et des conditions beaucoup plus extrêmes. In my face, I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky.